un pécheur sauvé par grâce de Dieu. Et vous savez, lorsque vous êtes appelé à quelque chose, lorsque vous voyez une personne en train de le faire, vous sentez quelque chose qui vous lie avec cette personne. C'est comme si tu te vois à l'intérieur de cette personne. Et lorsque trop souvent, je regardais des prédications télévisées de beaucoup de hommes de Dieu, comme l'apôtre Léopold, je les regardais. En fait, il y avait quelque chose, je sentis comme quelque chose qui m'est lié avec ces hommes de Dieu. Comme une force à l'intérieur de moi qui me disait que c'est toi dans le futur qui seras de la même manière. Okay. C'est un peu ça. Donc, quand je voyais les hommes de Dieu en train de travailler, mon père spirituel en train de prêcher, les hommes de Dieu, je sentais quelque chose qui m'est lié avec ces personnes-là. Ok. Oui. Alors, première prédication, j'avais parlé sur le nom de Jésus. Sur le nom de Jésus. Le seul nom qui nous a été donné sur la terre, j'avais déclaré, Dieu l'a souverainement élevé. C'est là qu'il lui a donné un nom au-dessus de tout le nom. Hosanna. Oui. Et vous savez, ces derniers temps, je suis contre les hommes de Dieu qui préfèrent utiliser leur nom pour guérir les malades. Okay. Je suis contre eux. C'est-à-dire que je suis contre des personnes qui viennent témoigner à l'église. Lorsque le nom d'un homme commence à guérir, là, c'est plus Dieu. Okay. Là, c'est plus Dieu qui commence à travailler. Le seul nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus. Ce que j'aime avec Dieu, vous savez, lorsque tu es entouré de plusieurs critiques, il essaie toujours de faire une démonstration en fait que les gens confirment que tu as Dieu. Vous savez, dans un ministère sans signe et de prodige, ce n'est pas un ministère. Dans un ministère, pour confirmer la présence de Dieu dans ces ministères, il faut qu'il y ait des signes et des prodiges. Raison pour laquelle, lorsque Moïse est arrivé chez Pharaon, il a dit « Libère des enfants d'Israël ». Pharaon est en train de douter parce qu'il n'a pas encore rien vu dans le ministère de Moïse. Il n'y a pas encore eu des signes et des prodiges. Il s'est dit « Non, c'est un homme ordinaire, il ne va rien faire. Ouais, » il ne va rien faire. Et lorsqu'il y a eu la démonstration de la puissance de Dieu, c'est par là qu'il pouvait croire. Et lorsqu'il était contre moi à l'église, les anciens, vous savez, vous imaginez de grandes personnes qui ont déjà vécu l'expérience avec Dieu. On va trop attaché dans Zambakala. Non. On n'a plus besoin de quand j'étais. On parle du présent. Ouais, Dieu a dit à Moïse, va leur dire, je m'appelle Je suis. Je suis. Je suis, c'est dans le présent. Notre Dieu est un Dieu du présent. Hosanna. C'était comme moi, je priais, comme moi, je faisais ceci. Non, quand tu faisais, maintenant, c'est nous qui impactons. C'est un peu ça. Amen. Vous avez compris, avec ces genres de personnes-là, je ne peux pas citer leur nom, ils essayaient un peu de m'influencer. Un peu de m'influencer en me disant que quand tu sers Dieu, premièrement, il faut l'argent. Quand tu sers Dieu, premièrement, il faut ceci, premièrement, il faut la gloire. Il avait déclaré, cherchez d'abord premièrement le royaume de Dieu. Tout vous sera donné par-dessus. Voilà. Je comprenais que ces personnes-là étaient en train de vouloir m'influencer. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait grâce de pouvoir comprendre ces personnes-là, pouvoir comprendre la vraie identité d'une personne. Qui sont à moi. Okay. Parce que la seule chose qui va préciser la chute dans mon ministère, c'est l'orgueil. Quand je regardais, je me dis, quand même, je suis le révérend Manassé. Je fais tomber les gens, il y a de take it, power, de foule dans l'onction de Dieu. Je prie à Dieu, Seigneur, que je travaille pour toi, mais que je travaille dans ta volonté. Okay. Le problème, ce n'est pas servir Dieu, mais le problème, c'est servir Dieu dans sa volonté. Okay. J'ai prié à Dieu, Seigneur, garde-moi toujours humble. Vous savez, je fais une prière que beaucoup de pasteurs, beaucoup. En fait, je mets vraiment la généralité de plusieurs pasteurs qui n'ont pas l'habitude de faire cette prière. C'est quelle prière? Je dis à Dieu, Seigneur, si dans mon futur, la gloire me rendra orgueilleux, la gloire me fera détourner de ton chemin, fais-moi éliminer. Élimine-moi. Merci Jésus-Christ, l'abattoir d'amour. Vraiment, quand il m'a causé au capote, pour la vie à moto, et ça va sauver, et ça va m'aider. Nazana mbongote, oya kosomba vie. Sombe la kalipa yeza pasi Nungo ya kobanda kako futa Puna masumu nangai Nga kiozu wango wade Gane zana mbongo te Oya kosomba vi Mbongo kutu ya kosale la provision Kutiana ndako pasi Nungo ya kobanda kako futa Puna masumu nangai Nga kiozu wango wade Na sumba kanta ba mubumba
na somba kangombe mobimbe Kona kende kutumbango Kona zwabu limbisa mia masumu nangaye Merci pour la bonne amour au soleil. Souvent, car c'est toi notre consolateur, car c'est toi notre libérateur. Esprit de Dieu descend sur nous. Saint-Esprit souffle de tout vent, car c'est toi notre consolateur, car c'est toi notre libérateur. Remplis nos vies de ta puissance pour nous donner la victoire. Donne-nous la victoire, Seigneur. Inonde nos cœurs, Esprit Saint. Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme en même temps avec un divertissement très très modéré. Bienvenue mesdames et messieurs, amoureux de la culture d'excellence, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision et aussi sur Nouvelle Tendance FM. Alors soyez nombreux à vous abonner et cela s'est fait d'ailleurs gratuitement. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Nous allons aborder le tout premier élément, c'est la fondation Nelly au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat. Famille du cœur Christ Rédempteur. Mesdames et messieurs, à travers cette opération, soyons sensibles aux cris des détresses. Vous avez besoin d'aider les démunis, vous avez besoin d'assister les orphelins, le veuve. Voici une structure qui vous fera plaisir et qui vous aidera. Alors, une fois que vous allez vous impliquer, certainement, il y aura une mention des bénédictions spéciales qui sera à votre disposition parce que le Dieu des orphelins est vivant et il est fidèle. Suivons les images, on se retrouve juste après. Arcel nga na banda ko fanda na Kimbwala na avenue source numéro 3 na quartier Kimbwala na commune Mongafula mama na ngai kombo na mama to ye pe place akenda na ebate sikoyo na banda ko fanda na maleki na ngai de mama leki na ngai abenga ngai ndoki ke ngai nde na boma na boma ya yana bangwa kufa a ebisi ngai amemina na eglise ba ebisi yake ngai nde na zandoki ngande na boma ya na bango abengana ngana ndako nde abengana ngai na ndako lobi nde tukutana na papa Glody mwana naye to bande kole kangana muninga ngana nino na kamunganga to bande kole Siko mwana pa Glody alobi papa solola nanu naba nao mibale ayebinga na lala na balabala ame mangai azwa biso ayebisi papa bango papa ndeti bozaka no orphelina mo boy mema bango mibale kuna nde abenga ebiso atuni biso bolala na balabala wito ndimi toza no orphelina na biso tozoluka bana de amema kibiso lobi nosenga merci na papa lendele nzamba pambola e aba kisele ya mingi nzamba pesa e long vi asunga biso toko maotanga avongisa vi na biso toko maotanga nasuka na 3e primaire nana posa basunga ngai Nazonga na class nazonga wetanga Kombo na ngai John Ngai papa na ngai abota nga kufa Depuis ki bo bébé mama msokota mabala pamba Na sengi merci Ntambana ki koleka ana kamana nga komuna Axel Ali ngalbi tia akobole bi to boje biso kasi tokende tepeti awa na expliquer bango papa na ngakufa mwa mshokota mabala
Deuxième, parce que je suis dans la classe, je suis la paix au commune, je suis dans la paix au thé. Je suis dans la coma. Je suis dans la paix au coma. Je suis dans la paix un jour vie. Je suis dans la paix au coma. Je suis dans la paix au coma. Je suis dans la paix au coma. Une nouvelle opportunité, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, vous qui avez besoin d'un terrain, vous êtes encore locataire. Il y a une opportunité qui est à votre portée, qui est bien sûr à votre disposition. Avec 3 800 $, vous avez déjà une parcelle. Pour plus de détails, suivant ceux qui sont sur terrain, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Suivant. Et il y a Sika na Kinshasa. Boye, Tika la koza la te makele le tata lopango. Et si li Toronto City à Maluku, bana RDC congolais. Opportunité à Sika mon ambo kape Sibiso. Avec 4 000 $ et à Pamba, comme tata Lopango, to maman Lopango. Avec le 4 000 $, au koki kosomba cash ou soit par tranche. Par tranche et salamindengenini. Au banina avance 2 000 $ et le 2 000 qui reste au kofuta yango par tranche. 500, 500, 500, 500, pe au komi kolo Lopango. Toronto City et Sika Moko, très kitoko. Parcelle cadastrée, urbanisée, avec beaucoup d'espace, nous surtout au Koluka, au Kokutayango. Mais Narata, terrain de vente sur vente sur un site accessible, urbanisé, cadastré, plat, désherbé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, marché, nous surtout Pembeli. Eza Lisolote, Tala Peyoka. Alors, tu as la concession? Toronto City. Nous avons commis à Maluku, dans la ville province de Kinshasa, la République démocratique du Congo, et des îles concessions Toronto City. Et après d'avoir commencé la petite nous surtout, il y a immobilier, foncier et tout, là il y a géo, localisation tout pour que tout pouvoir que la situation nous surtout. Concession est Bandiawa, les pays, si vous avez ma borne Oyo, à deux entrées, là, raccourci à Makolo, là, entrée Oyo, il y a Moutouka. Donc, raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous êtes déjà dans Makada. Pour Yamoulaï, c'est juste pour dévier, pour que les délais soient fuyables, donc c'est un peu ça. La situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres, et les directions plutôt de 8 mètres, et les avenues de 7 mètres. Alors que, par parcelle, Nabiso Ezali, il y a 20 mètres sur 20, ou bien 400 mètres carrés. Voilà. Du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes au Kende. Nashua Cameraman pour que tu visites nos surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu peux visiter nos surtout parce que c'est à Souza Moulaï. On sait Souza Mouné n'est tellement facile. Pomi Tata Lopango, ton apomi Maman Lopango. Yoka pour tout contact, je précise bien. Contact Yapoto Ezali. Oh, y'a Kinshasa Ezali. Mbongo ya mouke avec 4 000 $ au komi Tata Lopango. Ton maman Lopango. Makelele ya Bayer. Bayo. Nous sommes de retour sur ce plateau. Infiniment merci mesdames et messieurs. Nous avons le plaisir de recevoir un serviteur de Dieu pour la toute première fois sur ce plateau des Nouvelles Tendances Télévision, mais désormais d'ailleurs, vous aurez à le suivre chaque semaine ici sur Nouvelle Tendance Télévision. Comme je vous ai toujours dit, si on parle de faux, c'est parce que le vrai existe. Alors, vous avez toujours posé la question, mais où sont le vrai? Aujourd'hui, on va quand même vous présenter un serviteur de Dieu qui garde un véritable Dieu, un Dieu authentique. Vous savez, et comme nous dit la Bible, vous savez, Dieu, il fait toutes choses bonnes à son temps. Et aujourd'hui, il se décide de nous donner encore un serviteur de Dieu qui craint Dieu, qui marche dans la droiture. C'est un pasteur. Le pasteur, c'est Manassé. Vous allez le découvrir dans quelques poussières de secondes. Alors, comme je vous avais promis, il est là avec nous. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Vous allez très bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Amen. Alors, nous allons démarrer notre émission, mais avant tout, alors, comme ça s'est dit à tout Seigneur, tout honneur, on va quand même rendre
grâce à Dieu, gloire à Dieu, parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Il a permis à ce que nous puissions être ensemble et surtout partager ces très bons moments ensemble. Vous êtes à l'aise? Très à l'aise. Ok, alors, on peut prier. Priez. Ok, prions. Seigneur, merci pour ces instants. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies, éternel Dieu Tout-Puissant. Père, je prie pour ces instants, que ces instants soient bénis, éternel. Parle un cœur, dispose un cœur, console un cœur, instruis un cœur. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié avec action des grâces. Amen. Amen. Comme je vous avais dit, déjà, c'est un pasteur de ministère. Alors, vous vous sentez à l'aise quand on vous appelle pasteur? Ouais. Ou bien, vous voulez qu'on vous appelle comment? Bon, en fait, moi, je préfère qu'on m'appelle berger. Berger. Ouais. Berger Manassé, ça va? Le berger, c'est toujours le pasteur, mais je préfère qu'on m'appelle comme ça. Ok, berger Manassé. Ça, c'est une très bonne chose. Votre nom de famille, est-ce que les gens, on peut connaître? Oui, oui. Ngoï Beaubois. Ngoï Beaubois. Beaubois. Ok. Tu es quantième de ta famille? Je suis l'aîné de ma famille. Ok. Donc, je suis l'aîné de ma famille. Yaya. Yaya. Okay. J'ai des petites sœurs qui sont derrière moi, par la grâce de Dieu. Ok, combien? Deux. Deux, donc ouais. Ça fait trois. Oui. Ah, ok, d'accord. Est-ce qu'on peut connaître le nom de papa? Papa, c'est Papi Ngoï. Ah, ok. Papa, Papi Ngoï, que nous saluons d'ailleurs en passant. Et maman? Maman Myriam. Maman Myriam. Vous êtes serviteur de Dieu. On va quand même avancer petit à petit, connaître votre parcours. Quand est-ce que vous avez commencé avec le Seigneur? Quand est-ce que vous avez reçu l'appel de servir le Seigneur? Ok, merci beaucoup. En fait, Manassé est un prédicateur, un prédicateur passionné de la parole, un prédicateur authentique de Jésus-Christ. En fait, je commençais à prêcher à l'âge de 8 ans, là, en pleine église. Là, le pasteur pouvait être là et moi, je pouvais prêcher. Mais le jour où je commençais à prêcher, j'avais déjà 3 ans. Tu avais 3 ans, donc tu as commencé à 3 ans. Là, c'était quand même je rassemblais le membre de ma famille. J'étais en train de leur prêcher par la grâce de Dieu. Imaginez-vous un enfant de 3 ans qui démontrait la puissance de Dieu. Et à chaque fois que je passais dans les quartiers, on m'appelait toujours pasta, pasta, pasta. Et ça commençait comme ça. C'est à 8 ans que cette grâce a explosé. Et tu te sentais quand même à l'aise dans cette casquette de serviteur de Dieu? Oui, j'avais quand même très peur. Parce que j'étais trop jeune et je me sentais quand même bien. Les gens, ils savent, c'est vrai que très jeune, étant jeune, mais un jeune qui prie pour de grandes dames, de grands messieurs, tu n'aurais pas peur? En fait, vous savez, la peur est humaine. Il peut y avoir une peur et cela peut être anormal. Mais la seule chose qui nous rassure, c'est que la seule chose qui me donne l'assurance, c'est que si c'est Jésus qui m'envoie. C'est Dieu qui m'a poussé à le faire. Si c'était selon moi, je pouvais avoir peur. Je ne pouvais pas avancer, je ne pouvais pas parler à une grande personne. Une révélation que le Seigneur m'a montrée. Et c'est mon assurance, premièrement, c'est Jésus-Christ. Lorsque je sais que c'est Dieu qui m'a dit de faire, je le ferai. Okay. Avec beaucoup d'assurance, avec beaucoup de force. Hosanna. Ouais. Nous sommes très bénis de partager ces très bons moments, bien sûr, avec le berger. Alors, avant 3 ans, en fait, les goûts est venu comment? Tu imitais quelqu'un? C'était en train, tu regardais une chaîne de télévision et tu tombes sur un pasteur qui est en train de prêcher. Ou c'était peut-être un marché avec papa et de temps à autre, il fallait peut-être papa qui parlait de la parole de Dieu. Comment cela a commencé? Ok, d'abord, premièrement, mon père est un prédicateur, un pêcheur sauvé par grâce de Dieu. Vous savez, lorsque vous êtes appelé à quelque chose, lorsque vous voyez une personne en train de le faire, vous sentez quelque chose qui vous lie avec cette personne. C'est comme si tu te vois à l'intérieur de cette personne. Et lorsque trop souvent, je regardais des prédications télévisées de beaucoup de hommes de Dieu, comme l'apôtre Léopold, je les regardais. En fait, il y avait quelque chose, je sentais comme quelque chose qui m'est lié avec ces hommes de Dieu. Comme une force à l'intérieur de moi qui me disait que c'est toi dans le futur qui seras de la même manière. Okay. C'est un peu ça. Donc, quand je voyais les hommes de Dieu en train de travailler, mon père spirituel en train de prêcher, les hommes de Dieu, je sentais quelque chose qui m'est lié avec ces personnes-là. Ok. Oui. Alors, vous vous êtes décidé, c'est vrai, bon, il faut commencer peut-être déjà avec la prédication. Et votre première prédication, c'était quoi? Ma première prédication, j'avais parlé sur le nom de Jésus. Sur le nom de Jésus. Le seul nom qui nous a été donné sur la terre, j'avais déclaré, Dieu l'a souverainement élevé. C'est là qu'il lui a donné un nom au-dessus de tout le nom. Hosanna.
Et vous savez, ces derniers temps, je suis contre les hommes de Dieu qui préfèrent utiliser leur nom pour guérir les malades. Okay. Je suis contre eux. C'est-à-dire que je suis contre des personnes qui viennent témoigner à l'église. Lorsque le nom d'un homme commence à guérir, là, c'est plus Dieu. Okay. Là, c'est plus Dieu qui commence à travailler. Le seul nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus. Et par la grâce de Dieu, un peu l'enseignement, le Seigneur nous a fait grâce de démontrer la puissance du nom de Jésus. Je me souviens encore de ce jour-là, le malade était guéri. Et par la grâce de Dieu, des paralytiques pouvaient marcher. Par la grâce de Dieu. Les paralytiques pouvaient marcher et la parole de Dieu était prêchée avec toute liberté. Et comment était l'ambiance dans l'église comme ces jours-là? C'était pour la première fois avoir un serviteur de Dieu sui gêne qui est en train de travailler sous la mouvance du Saint-Esprit. Et il y a l'opération de plusieurs miracles qui étaient au point ces jours-là. C'était comment? En fait, c'était lorsqu'on m'a présenté, on disait que c'était lui l'orateur. Tout le monde me regardait, tout le monde me disait « Ah, l'on passé en Abissabé, il est bon, Matébo. » Les gens étaient tellement étonnés d'une manière extraordinaire. Et il était même contre notre pasteur. Ils étaient contre le pasteur. Ouais. Lélo, elle est qui s'y paye. Lélo, c'est ganas. Non. Maintenant, c'est que j'aime avec Dieu. Vous savez, lorsque tu es entouré de plusieurs critiques, il essaie toujours de faire une démonstration en fait que les gens confirment que tu as Dieu. Vous savez, dans un ministère sans signe et de prodige, ce n'est pas un ministère. Dans un ministère, pour confirmer la présence de Dieu dans ces ministères, il faut qu'il y ait des signes et des prodiges. Raison pour laquelle, lorsque Moïse est arrivé chez Pharaon, il a dit « Libère des enfants d'Israël ». Pharaon est en train de douter parce qu'il n'a pas encore rien vu dans le ministère de Moïse. Il n'y a pas encore eu des signes et de prodiges. C'est un homme ordinaire, il ne va rien faire. Il ne va rien faire. Et lorsqu'il y a eu la démonstration de la puissance de Dieu, c'est par là qu'il pouvait croire. Et lorsque j'étais là, les gens critiquaient, les gens disaient « Ah non, il ne pouvait pas ». Et après la puissance de Dieu, après avoir que le Seigneur s'est manifesté en moi, c'est là qu'il pouvait acclamer. Et il y avait des mamans qui étaient contre moi, de grands papas qui étaient contre moi à l'église, les anciens. Vous savez, vous imaginez, de grandes personnes qui ont déjà vécu l'expérience avec Dieu. On va être trop attaché dans Zambakala. Moi, quand j'étais, Non. On n'a plus besoin de quand j'étais. On Dieu parle du présent. Ouais, Dieu a dit à Moïse, va leur dire, je m'appelle Je suis. Je suis. Je suis, c'est dans le présent. Notre Dieu est un Dieu du présent. Osana. À Zambakala, c'était quand moi je priais, quand moi je faisais ceci. Non, quand tu faisais. Maintenant, c'est nous qui impactons. C'est un peu ça. Amen. Ça, c'est une très bonne chose. Alors, vraiment, ça, c'est... nous sommes très bénis. Merci. Alors, il t'est déjà arrivé, je saute quand même un peu, il t'est déjà arrivé de suivre quelqu'un qui exploite le nom de Dieu avec légèreté, qui prenait Dieu comme c'était son ami, c'est comme ce qui était quelqu'un qui raté, quelqu'un qui n'a pas assez d'impact. Oui. Il t'est déjà arrivé? Oui, ça m'est arrivé. Et c'est quoi ta réaction? Je t'ai dit quoi? En fait, lorsque je regarde ces personnes-là, je comprends directement, le Seigneur m'a donné un don. Vous savez, dans ce temps de la fin, nous avons besoin d'un seul don. C'est le don du discernement. Discernement, oui. Le discernement de l'esprit pour comprendre qu'est-ce qui se cache. Et le Seigneur m'a fait grâce d'avoir un discernement très profond. Je peux être là, je te regarde, mais je suis en train de t'étudier. En fait, moi, j'avais compris avec ces genres de personnes-là, je ne peux pas citer leur nom, ils essayaient un peu de m'influencer. Un peu de m'influencer en me disant que quand tu sers Dieu, premièrement, il faut l'argent. Quand tu sers Dieu, premièrement, il faut ceci, premièrement, il faut la gloire. Il avait déclaré, cherchez d'abord premièrement le royaume de Dieu. Tout vous sera donné par-dessus. Voilà. Je comprenais que ces personnes étaient en train de vouloir m'influencer. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait grâce de pouvoir comprendre ces personnes-là, pouvoir comprendre la vraie identité d'une personne. Vous savez, dans la vie chrétienne, pour mieux marcher, il faut savoir l'identité de tout un chacun de nous. Qui tu es et qui je suis, pour que nous puissions bien marcher dans la vie chrétienne. C'est un peu ça. Et le Seigneur m'a fait grâce de comprendre ces personnes et je me suis détachée de ces personnes. Vous savez, là où quelque part ça t'amène dans un péché ou quelque part dans la destruction, il faut essayer d'être détaché. Et la chose qui tue plusieurs chrétiens, c'est l'hypocrisie. Nous sommes beaucoup des hypocrites. On n'aime pas la chose, mais on semble aimer la chose. Moi, quand j'aime pas la chose, je trouve qu'il y a du péché dedans. Il n'y a pas la gloire de Dieu. Je me détache totalement. On y arrivera parce que déjà, vous êtes en train d'anticiper déjà ce que nous avons comme matière. Alors, vous avez fini votre première prestation. Vous avez prêché à l'église. Tout le monde était d'accord après. En fait, enfin, après avoir expérimenté la grandeur, la puissance de Dieu et en plein culte.
Alors, ils étaient d'accord. Ils se sont dit non, c'est un serviteur de Dieu. Et les gens acclamaient et tout. Ils ont béni le Seigneur. Oui. Tu devais rentrer à la maison, ça va? Oui. Et arrivé à la maison, c'était comment? Papa, maman, déjà, tu imagines, déjà, le vieux, quand il est là, il jette un coup d'œil. Il dit, bon. Et ils font toujours le gros dos, hein, C'était comment, en fait? En fait, dès que je rentre à la maison, on a toujours l'habitude de dire « Nil le prophète chez lui ». On me regardait, on me disait « Ah, Manassé paye !» Ça, il ne paye le quoi, hein, j'étais... En fait, ça semblait tellement bizarre chez les gens. Ils disaient « Ah, Manassé paye !» Parce que moi, j'étais un peu turbulent. Okay. Moi, mon boulot, moi, la jeunesse, tout ça. Ils regardaient, ils disaient « Ah, non, Manassé paye !» Mais lorsque je suis rentrée, j'ai demandé à Dieu une prière. Si c'est toi qui m'as appelé, fais en sorte que dans mon ministère, il y ait des signes et des prodiges. Okay. Et des signes et des prodiges. Et à chaque fois que quelqu'un s'approche de moi, je prie à Dieu que le Seigneur puisse révéler des signes qui sont à moi, qui prouvent réellement que je suis serviteur de Dieu. C'est un peu ça. Maman, comme les mamans ont toujours accompagné de faire la vision, hein, même si peut-être le papa peut être un peu difficile, assez difficile, mais je crois que... Et la réaction de maman, c'est quoi? En fait, ma mère était là, elle regardait... Elles s'en foutaient de tout. Pour elle, c'est toujours son petit Manassé. Mon Manassé. Un jour, lorsque je l'ai regardé, j'ai prophétisé sur sa vie. J'ai prophétisé sur ces choses qui doivent arriver. Et ces choses, elles sont arrivées. Il m'a regardé à Ben Nanan. Yo, moi, on a un tour, on a un monstre. Yo, moi, on a un tour, on a un monstre. Peut-être un adopteur, peut-être un changeant à moi. On a un peu de choses. Et c'est par là que le Seigneur a pu affirmer mon ministère. C'est un peu ça. Du coup, papa s'est décidé de t'accompagner parce qu'on voit quand même tout le temps, papa est présent, maman également. Ma famille, alors, vraiment, ta famille t'accompagne en fait. Et tu as commencé maintenant à servir le Seigneur. Les gens se posent la question. Avant quand même qu'on comprenne une autre question, on va découvrir quand même quelques images. C'est vrai, ce sont les images amateurs, mais du moins, on va quand même les exploiter. Oui. D'accord? Pas de problème. C'est le berger Manassé en plein service, en train de prêcher, en train d'exhorter, en train de servir le Seigneur. Alors, nous allons prendre les images et on se retrouve tout juste après. Suivons. Voilà, merci beaucoup. Là, c'était l'homme de Dieu en plein service. En regardant ces images, il t'est déjà arrivé de suivre tes prédications aussi? Ouais, ça m'arrive souvent, mais pas trop. Tu te dis quoi? Lorsque je me regarde, je me dis vraiment, ah, vous avez un gâteau, un gâteau. Vous savez, lorsque je prends la Bible, je suis devant la chair, là, je sens une sainte colère. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je sens une sainte colère. Je me dis, non, mon Dieu doit être là. Mon Dieu doit se manifester. Ce peuple, tel qu'ils sont venus, ils ne doivent pas rentrer le même. Okay. Une sainte colère qui vient en moi et j'ai supplié à Dieu, même si ce n'est pas pour nous, peut-être on a péché, mais à cause de la grâce. Souviens-toi de la croix. Vous savez, ce que j'aime avec la grâce, on a toujours l'habitude de dire que la grâce, c'est quelque chose d'immérité. Mais moi, Dieu m'a donné une définition. Vous savez, la grâce, c'est toute bénédiction qui vient de Dieu qu'on n'a pas payé un prix. Toute bénédiction qui vient de Dieu, on n'a pas payé un prix. Liba lozo lukasozion na mangenge, c'est que liba la grâce te. Liba lozo lukasozion on entendant, c'est que liba la grâce te. Toute bénédiction qui vient de Dieu que tu n'as pas payé un prix, c'est ça la grâce. Amen. J'ai prié à Dieu, Seigneur, à cause de ta grâce et de la croix, bénis ce peuple. Je sens une sainte colère et souvent, je n'ai pas trop l'habitude de regarder mes vidéos. Et alors, lorsque les gens reviennent vers toi, parce que c'est vrai, quelqu'un qui a un problème, qui te pose son problème, après toi, tu vas intercéder, tu vas prier, tu vas l'assister, et remonter encore des nerfs et tout. Alors, lorsque le Seigneur opère le miracle, la personne revient vers toi. Qu'est-ce que tu te dis? Je rends gloire à Dieu. Ah bon? Je rends gloire à Dieu. Ça t'arrive pas de faire un peu la grosse tête? Ça t'arrive aussi? En fait, c'est humain, mais je prie à Dieu que le Seigneur fait taire le sentiment qui sont dans moi. Okay. Parce que la seule chose qui va précipiter la chute dans mon ministère, c'est l'orgueil. Quand je regardais, je me dis, ah, quand même, je suis le révérend Manassé. Je fais tomber les gens. Il y a de take it, power, de foule dans l'onction de Dieu. J'ai prié à Dieu, Seigneur, que je travaille pour toi, mais que je travaille dans ta volonté. Okay. Le problème, ce n'est pas servir Dieu, mais le problème, c'est servir Dieu dans sa volonté. Okay. J'ai prié à Dieu, Seigneur, garde-moi toujours humble. Et vous savez, je fais une prière que beaucoup de pasteurs, beaucoup,
beaucoup. En fait, je mets vraiment la généralité de plusieurs pasteurs qui n'ont pas l'habitude de faire cette prière. C'est quelle prière? Je dis à Dieu, Seigneur, si dans mon futur, la gloire me rendra orgueilleux, la gloire me fera détourner de ton chemin, fais-moi éliminer. Élimine-moi. Ou bien ne me donne pas cette chose-là. J'ai dit à Dieu, vous savez, tout le monde, tous les pasteurs demandent de l'argent, la gloire. Seigneur, bénis-moi financièrement. Mais moi, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si cet argent-là va me conduire dans les péchés, ne me donne pas. Laisse-moi grandir. Vous savez, avec Dieu, il y a des dimensions. On grandit avec Dieu. On apprend avec Dieu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, laisse-moi grandir. Si cet argent-là va m'éloigner de toi, ne me le donne pas. Si cet argent-là va me retirer de ta présence, ne me le donne pas. En fait, je suis fière de cette prière-là. Je suis fière de faire cette prière-là parce que la plupart ne le font pas. On sent quand même qu'il y a une maturité. On sent même dans tes communications, dans ta manière de communiquer, on sent quand même qu'il y a une certaine maturité. Alors, du coup, maintenant, tu as 12 ans? Oui. OK. Manassé a 12 ans. Qui a commencé à commencer avec le Seigneur déjà à l'âge de 3 ans, 2 ans. 3 ans déjà, tu priais, tu étais déjà en plein service. Oui. Et c'est à 8 ans que tu as commencé vraiment à servir le Seigneur, prêcher dans des grands cultes et tout. Tu as des amis à l'école? Oui, oui. Comment tu vis avec ces amis-là? Parce que ils ont quand même besoin d'avoir un ami qui sera là tout le temps, qui va chauffer avec eux. Oui, alors, toi, il y a beaucoup de choses que tu ne fais pas, tu ne pratiques pas. Oui, exactement. En fait, moi, je n'ai pas vraiment trop d'amis, mais j'ai des frères. Tu as des frères? Oui. J'ai parfois avoir plus des amis, mais j'ai plus de frères. Okay. Vous savez, certains de mes amis commencent à me fuir. Okay. Ils me disent, « Yo, continue à mon zambé, biso ma ramone si maté, biso bouye to kendete, biso bouye to ko maté. » C'est un peu ça. Et ça te dérange? Peut-être parce que ça arrive des fois, on a besoin d'avoir tel X comme ami, et puis bon, voilà. Bon, la personne qui pas te trop, repousse. Moi, ça ne me dérange pas trop. Ça ne me dérange pas trop, sincèrement. Alors, comment tu vis avec certains de tes frères? Le noyau, quand même, que tu as comme frère. Parce que c'est vrai qu'ils sont si jeunes, mais ils ne sont pas pasteurs. Oui. Mais toi, tu es pasteur, tu es serviteur de Dieu. Alors, comment est-ce que vous. Entre vous, ça se passe comment? Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Souvent. En fait, je n'essaierai pas trop dans le mal, peut-être, ce qu'ils font. Mais souvent, j'essaie de faire un peu ce qu'ils font pour que nous puissions être un peu dans l'amour et pour que nous puissions nous comprendre. Je vis avec eux, je les enseigne la parole de Dieu. Et mon but principal, en fait, souvent, c'est l'appel. Qui Dieu t'appelle. Mais mon but principal, c'est de faire des disciples du Christ. Okay. Mon but principal chez mes frères. Peut-être qu'ils ne seront pas de prophètes, mais qu'ils soient dans les services de Dieu. Donc, tu as quand même des objectifs. Oui. En étant avec eux, tu as des objectifs. J'ai des objectifs. Donc, tu as un jeu que tu joues déjà petit à petit et tu sais, oui, au moment opportun avec le au Seigneur, ça pourra arriver. Oui. Ça, c'est une très bonne chose. Alors, il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui défilent, qui sont là et tout. Il t'est déjà arrivé quand même de suivre un serviteur de Dieu et puis tu te dis, je voudrais être comme X ou Y. Ça m'arrive souvent, mais je ne dis pas que je ne voudrais pas être comme cette personne. Je voudrais être plus que cette personne. Ok. Tu vas au-delà de ce que l'on fait. Au-delà de cette personne. Ça m'arrive souvent. À l'église, comment les gens vivent avec toi? Parce que déjà, ils se disent, mais lui, il est berger, il est trop jeune, il a commencé à peine. Nous, on est toujours là, on a commencé bien avant et tout ça. Ça ne crée pas quand même des ennuis? En fait, ça crée des ennuis, tu sais. Ça crée des ennuis et le problème, c'est que ça crée plus de jalousie. Lorsque Dieu t'élève, lorsque Dieu te positionne, ça crée beaucoup de jalousie. Beaucoup de jalousie. Et moi, je dirais que la plupart des hommes de Dieu ne m'aiment pas trop. Dans mon église, la plupart des hommes de Dieu ne m'aiment pas trop. D'après vous, il y a quoi? En réalité, peut-être que nous sommes là. Moi, dans la zone, il y a beaucoup de gens. Et puis, imagine-toi que moi, je n'ai pas encore d'église. Je travaille avec eux à l'intérieur. Ah bon? Ah. Non, c'est peut-être le succès, non? Ah. Le succès à Berger Manassé, il est très populaire, tout le monde veut le voir. Et quand on ne te donne pas peut-être l'espace pour prêcher, ça ne te dérange pas? Ça ne me dérange pas trop, mais ça me dérange. Dérange aussi. Surtout lorsque j'ai envie d'un message que le Seigneur me parle pour cette génération, pour le pays, ça me dérange trop, ça me fait vraiment mal.
Ok. Les gens ont toujours tendance à croire comme si, c'est vrai, quand on sert Dieu, il y a certaines choses qui nous échappent. Hein? Mm. Alors ici, je voulais parler quand même de la prophétie. Oui. Lorsqu'on était en train de nous entretenir, tu m'as dit, tu sais, tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement, oui. Moi, le Seigneur m'en avait déjà parlé, puis j'étais déjà averti. Oui. C'était quoi les messages? Et comment est-ce que tu avais reçu ces messages de Dieu? Bon, en fait, c'était un grand message. Alors, le message, si vous me permettez, je veux le dire. Oui. Mais il y a certaines choses que le Seigneur ne m'a pas permis de trop dire, mais je dirais la moitié de mon message. Il n'y a pas de problème. En fait, le Seigneur m'avait parlé d'une génération. Mmh. Une génération qu'il est en train de lever. Mmh. Une génération qui va prêcher son message, qui va impacter toute sa vie. Et le Seigneur m'avait dit, cette année 2022, c'est une année d'exposition. Il va exposer des serviteurs de Dieu, de faux serviteurs de Dieu. Des faux serviteurs de Dieu. J'étais en train de voir une vision, je me voyais en vision et je voyais plusieurs hommes de Dieu très connus, très connus que nous connaissons aujourd'hui, qui ont des succès. Mmh. Je le voyais par terre. Je le voyais par terre. Et moi aussi, j'étais par terre. Mais je vis une main qui est venue me prendre, qui m'a pris et qui m'a relevé. Mmh. Et j'ai entendu une voix qui m'a parlé, qui m'a dit, tu as appelé pour cette génération. Tu as appelé pour éclairer cette génération. Car la génération est partie dans beaucoup de choses. Cette génération est perdue. Et Dieu m'a expliqué, Dieu m'a montré certains des hommes de Dieu très célèbres. Très célèbres. Je dis devant Dieu, très célèbres. Et Dieu m'a dit que ce sont des homosexuels, si vous me permettez. Mm-hmm. Si vous me permettez. Peut-être, si Dieu fait grâce. Bon, j'ai peur qu'on m'arrête. Vous savez, le problème avec les spirituels, c'est que c'est toi celle qui voit. Oui. Et les autres ne voient rien. Mm. Le Seigneur m'a montré que plaisir, tu vois leur vie, c'est ça. Des homosexuels. Ils ne sont pas en train de vivre dans la sainteté. Ils ne sont pas en train de vivre dans ma crainte. Oui. Ils prétendent me connaître, mais moi, je ne les reconnais pas. Mais Dieu m'a dit, le temps est sonné. Le temps est arrivé où les faux seront exposés. Les faux seront exposés. C'est pour cela que j'aimerais avertir l'Église. Ne soyez pas étonnés lorsque les faux seront exposés devant l'Église et devant le monde entier. Les faux seront exposés. Donc, c'est Dieu qui va les humilier. Dieu va les humilier. Dieu va les humilier. Un jour, je posais la question à Dieu. Seigneur, mais pourquoi toutes ces choses qui arrivent à l'église, pasteur Roté en plein culte, m'a coué à Koufi? Mais pourquoi? Mais pourquoi ça se répète trop? Dieu m'a dit, le salaire du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. La plupart, ce n'est pas haut, ne montez pas haut, que le diable a envoûté tout ça. La plupart, c'est un fouet de Dieu qui sont entre eux, qui sont sur eux. Dieu va leur exposer et Dieu m'avait donné l'un des signes qui vont leur exposer. Premièrement, c'est leur parole. C'est pour cela que j'annonce déjà à l'église parce que je ne parle pas de choses par sentiment, mais je vous parle de ce qui va arriver. Entre mars, juin, juillet, vous allez voir l'exposition des hommes de Dieu et la mort de plusieurs hommes de Dieu qui ne marchent pas dans la sincérité et dans la vérité. La mort de plusieurs hommes de Dieu. J'ai dit bien mars, juin, juillet. Peut-être dans les prochains épisodes, vous allez témoigner. Et vous allez dire ce que j'avais dit, c'est tellement vrai. Je ne parle pas de mes sentiments, mais je vous parle de quelque chose que j'ai vu en vision. Ok. Si le message est terminé, c'est bon? Oui. Ok. Merci beaucoup, homme de Dieu. Sinon, en parlant du spirituel, parce que tout à l'heure, tu viens de dire, non, voilà, et... Tu sais, le problème avec le spirituel, c'est que c'est toi-même qui vois. Il n'y a que toi qui vois. L'autre ne voit pas. Or, lorsque celui-là ne voit pas, il constitue maintenant quelques barrières aussi. Donc, c'est-à-dire pour lui, pour cette personne-là, elle s'est dit, non, mais tu sais, bon, c'est qu'il est en train de dire peut-être qu'il ment. C'est-à-dire que quelqu'un doute de ce que tu dis. Le spirituel en soi, lorsque tu regardes ce qui se passe actuellement, penses-tu que... Sur le plan spirituel, et ce qui se passe maintenant a de l'impact. Exactement, exactement. Et moi, je pense que dans ces périodes, et ce qui est en train de se passer en ce moment, a pu profiter de cela. A pu profiter de cela. Et comme tu étais en train de dire souvent quand on était là-bas au bureau, tu me disais que quand il y a un vrai dollar, il y a aussi un faux dollar. C'est que quand il y a de faux, le faux veut être exposé, mais le problème c'est que le diable est en train de profiter pour humilier le vrai. Il est en train de prendre cette occasion, il prend ça comme une occasion pour humilier le vrai. Mais que notre prière, que le Seigneur garde le vrai qui sont restés, que le Seigneur leur protège et que le Seigneur leur préserve du malin.
Amen. Ça, c'est une prière. Et le problème, vous savez, le problème avec le Congo, c'est que je ne suis pas d'accord avec mon pays. Nous tuons nos propres prophètes. Nous tuons nos propres vrais serviteurs de Dieu. Nous les tuons. Vous savez, ce que je suis en train de dire au début, nous avons besoin de l'esprit du discernement pour comprendre ce qui se passe réellement. Au lieu que nous puissions attaquer des hypocrites, nous nous attaquons de vraies personnes. Donc, il y a quelque part, le spirituel est en train de jouer un très grand rôle. Et le diable est en train de profiter pour cela. Tu es congolais. Tout à l'heure, tu as dit qu'il y a certaines choses, que tu n'aimes pas, en fait. Oui. Alors, en regardant le Congo, il t'est déjà arrivé que le Seigneur puisse te donner un message concernant ce pays? Oui, oui, exactement. C'était quoi le message? Exactement. Vous savez, il y a certaines des choses, je n'ai pas permis de le dire, mais peut-être je le dirai. Je le dirai par la grâce de Dieu. Mais le Seigneur m'avait parlé de ce pays dans une vision très claire. J'étais en train de voir la ville, mais la ville était très noire. Il y avait le ténèbre dans la ville. Les ténèbres dans la ville. Et je me suis posé une question, mais Seigneur, pourquoi le ténèbre est en train de régner tellement dans la ville? Le Seigneur m'a parlé clairement dans une vision. Et je suis en train de voir directement, je suis entrée quelque part, j'ai vu plusieurs autorités. Et Dieu m'a dit, ces personnes-là sont à la tête du ténèbre qui règne parmi la ville. Ils sont à la base. C'est pour cela que je bénis Dieu pour notre président lorsqu'il est entré au pouvoir. Maintenant que je n'étais pas là, mais j'ai regardé des vidéos, il a remis le pays entre les mains de Dieu. Parce que si ces pays souffrent aujourd'hui, c'est un problème spirituel et les autorités ont vendu le pays. Il y a certaines des choses, je ne suis pas vraiment permis de le dire, mais le pays est vendu. Vendu, spirituellement, le pays est vendu. Et les personnes qui sont à la base de cela sont nos autorités. Mais que le Seigneur nous fasse grâce. Mais qu'est-ce qui fait que, entre serviteurs de Dieu, ces derniers temps, il y a tiraillement, il y a des gens... Et il y a irréconnaissance des grâces, c'est-à-dire que tel qui pense être le seul meilleur serviteur de Dieu, et l'autre qui n'est pas vrai d'ailleurs, et tout. Et ça tire de tous côtés, en fait. Il y a des coups de balle partout, celui-ci qui crache sur tel, l'autre réplique. Bon, voilà. En fait, moi je pense qu'un vrai serviteur de Dieu n'essaierait pas focalisé sur ça. N'essayez pas vraiment très focalisé sur ça. Vous savez, quand on est serviteur de Dieu, on a des attiraillements. Laissez que tel parle, toi aussi tu parles, tel parle. En fait, vous détruisez l'église de Dieu. J'ai parlé avec quelqu'un tout à l'heure, il était en train de me dire dans l'ingénieur, c'est l'anzam, mais t'es tellement ramoué les gana. Vous savez, moi je pense que nous-mêmes, nous sommes à la base de tout ça. Les serviteurs de Dieu, nous sommes à la base de tout ça. Nous sommes à la base de la destruction de l'église. Mais ma prière, l'église ne sera pas détruite. Et je sais que l'église sera enlevée. Nous sommes à la base de tout ça. Et le problème, c'est qu'à l'église, on n'essaye pas de reconnaître la grâce des autres. Mm-hmm. On n'essaye pas de reconnaître la grâce des autres. Vous savez ce que la Bible déclare dans Actes? Il a appelé les uns comme apôtres, les uns comme pasteurs et les autres comme de prophètes. Et il faut, lorsque nous sommes dans un ministère, quand tu rencontres un pasteur, tu dois reconnaître sa grâce en étant pasteur. Quand tu rencontres un apôtre, tu dois reconnaître sa grâce en étant apôtre. Nous devons avoir, croire aux autres. Croire aux autres. Vous savez, il y avait dans les disciples de Jésus, il y avait des Jean, il y avait des Pierre. Tout le monde avait sa manière de travailler. Et tous étaient dans l'union, si je peux dire. Ils étaient en train de croire à la grâce des autres. À Pierre, il est dans la grâce de la guérison. L'autre, il est dans la grâce de la prophétie. L'autre, il est dans la grâce de l'impactation. Mais le problème actuellement avec l'Église, on ne reconnaît plus la grâce des autres. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un est élevé dans une caca, yoko maka wana, non. Et puis, on essaie de copier les autres. On essaie de travailler comme les autres. Moi, je suis tellement choquée, en fait. Je ne voulais pas vraiment trop dire ça. Je suis tellement choquée, mais je me pose une question. Ce qui se passe avec les prophéties, tout ça. Comment Dieu peut travailler de la même manière? Ça, c'est ma question. Quelle est cette manière? C'est-à-dire que nous tous... Moi, je crois au ministère prophétique. Je crois que le Seigneur a la capacité de donner un prénom de quelqu'un. Le nom de la famille de quelqu'un. Moi, je crois à tout ça. Mais le problème, c'est que ça commence à devenir une habitude. Comment Dieu peut travailler avec nous, les deux personnes, à la même fois et à la même manière? Là, c'est plus Dieu.
Il devait y avoir diversité. Diversité de dons. Il y a diversité de dons. On peut opérer dans le même don, mais on ne peut pas travailler toujours de la même manière. Bisounions sont tout au monde arabe à combo. Bisounions tout au monde arabe à numéro 2. Moi, en fait, je ne critique, je ne dis rien. Excusez-moi. Moi, je crois à toutes ces choses-là. Moi, je crois au prophétique. Moi, je crois. Moi, sincèrement, je crois. Mais le problème, c'est que Dieu ne peut pas travailler avec nous de la même manière. Donc, on commence à blaguer avec le nom de Dieu. Moi, je pense que ce n'est pas vraiment propre. Nous sommes en train de détruire l'Église. La meilleure prophétie, c'est la parole de Dieu. Quand tu rencontres quelqu'un, prêche-lui Jésus, présente-lui Jésus. La prophétie, c'est rien. La meilleure prophétie. C'est le plus important d'ailleurs, présenter à quelqu'un Jésus. Vous savez, la prophétie, c'est bien. Donner la directive, donner la direction. Et puis, le problème avec le prophétique de cette génération, ça vient pour donner du plaisir. Pour leur propre gloire. Et tout pour la commune là-bas. Mais dans les temps anciens, le prophétique était fait pour avertir le peuple, pour remettre le peuple. Et puis, la prophétie est faite pour instruire l'homme. C'est pas normal. La prophétie vient pour instruire, la prophétie vient pour corriger. Quand Dieu a parlé au prophète Osée, c'était parce que le peuple était dispersé. Il a fait sortir la prophétie. La prophétie vient pour avertir, la prophétie ne vient pas pour donner du plaisir et du sentiment. Et j'ai l'impression que c'est comme si le ministère prophétique, c'est tout le monde veut aller sur ce sens. Tout le monde veut être prophète. Tout le monde veut être. C'est comme si le ministère pastoral, ça s'applique d'un pas. Imagine-toi, j'ai rencontré une sœur, il m'a dit, toi tu es prophète. Je lui ai dit, non, je suis pasteur. Et une enfant dans l'église, non, t'es pas anime. Puis le pasteur, au monde, a été. Tout le monde veut voir, tout le monde veut prophétiser. C'est bon, on doit travailler dans ce don-là pour l'Église. On doit démontrer Jésus d'une manière extraordinaire. Mais lorsqu'on commence à démontrer Jésus de cette manière-là, c'est plus Dieu. Mais en fait, lorsque le Seigneur te parle déjà, il te dit, donc, écoute, Manassé, dis à mon peuple ça. Et tu as la prophétie. Et tu n'es pas toujours séduit à aller aussi dans le même sens d'être prophète. Parce qu'apparemment, avec la prophétie-là, ça colle, hein, ça marche. Ça marche. Parce que Dieu aussi te parle. Oui, Dieu me parle. Dieu me parle avec beaucoup. Tu n'es pas séduit dans le même sens là, non? En fait, j'ai un apôtre. Il a dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Quand j'étais un enfant, je réfléchissais comme un enfant. En fait, avant, j'étais trop séduit. Je voulais être un prophète. Moi aussi, je voulais voir. Moi aussi, je voulais impacter dans le prophétique. Et cela me poussait dans le mauvais chemin. Ah bon? Cela est en train de m'amener dans un mauvais chemin. Si Dieu t'a appelé pour faire quelque chose, fais cette chose-là et fais ça bien. Je suis restée dans mon domaine, je travaille dans mon domaine, je suis dans ce que je fais. Et si le Seigneur me fait grâce de prophétiser pour quelqu'un, je peux prophétiser avec beaucoup de précision, beaucoup de précision. Mais t'es pas séduit, je ne suis plus séduit par ces choses-là. Je ne suis plus vraiment séduit par ces choses-là. Ça m'arrive pas souvent d'être séduit par ces choses-là. Et ce qui me fait tellement mal aujourd'hui, je vois des prophètes, disons, des soi-disant prophètes qui partent prendre des informations sur Facebook. Ils partent dans une église en train de prêcher quelque part. Ils prennent des informations sur... Ils prennent le nom de... Je maudis toutes ces personnes-là. Je les maudis parce que vous êtes en train de détruire le ministère prophétique. Vous détruisez le ministère prophétique. Moi, je crois au prophétique, mais le prophétique est en train d'être détruit. On commence à partir sur Facebook, on commence à prendre les informations, prendre le nom de gens. Et on vient exposer ça. Ce n'est pas correct. Comme étant une prophétie. Oui, ce n'est pas correct. Alors que ça n'a rien à voir avec la prophétie. Rien à voir. Et c'est pour cela que je bénis mon père, Papa Landry. Il est toujours contre ça, l'évangéliste Landry Makem. Il est toujours contre ça. On prenne des informations. Et puis j'ai appris encore, en fait, j'ai appris. Chez quelqu'un, c'est-à-dire que on commence à faire les maquillons, c'est-à-dire que on a perso bah ouais t'es une église langai, on a perso des informations. Non, vous détruisez le ministère prophétique. Moi, je crois au prophète, je crois au prophétique, mais là, ça devient grave. Et tout ce qu'on est en train de vivre comme spectacle lors de la prophétie, c'est-à-dire que can I prophesize please? Je vais prophétiser. Donnez-moi un amen fort, je vais prophétiser. Et surtout, lorsque vous prenez
la ligne de cette prophétie, il n'y a que lui, lui, lui. Le nom de Jésus-Christ n'est pas répété, n'est pas cité quelque part. Ouais, non, ouais. Quand c'est moi, en tout cas avec moi, ça ne va jamais rater. Moi, je suis dans la précision. Non, il faut dire, on fait tout ça par grâce de Dieu. Ça peut être Dieu, mais le problème, c'est qu'il te tue, c'est l'orgueil. Le fait que tu dis, c'est moi le prophète de cette époque. Ça devient l'orgueil et Dieu n'aime pas les orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. C'est ce que j'aime. La phrase, l'abbé déclare, j'aime cette phrase. Il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Même dans le prophétique, il faut être humble. Même si la monio claire, comme mon papi, ngoi, il faut être humble avec beaucoup d'humilité. Ce qui manque le prophète, disons, des serviteurs de Dieu, c'est ça, l'humilité dans le prophétique. Ce que nous avons appris sur comment précision, mon bébé, il y a un na YouTube, Facebook, et c'est ça le problème. Même dans le prophétique, on doit avoir l'humilité. Prophétiser avec humilité du cœur. Moi, je crois au prophétique, j'aime le prophétique. Mais pendant le prophétique, il faut avoir l'humilité. C'est important. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Alors, on va prendre encore une des images parce que déjà, mais désormais, vous allez suivre le berger Manassé chaque semaine. Donc, déjà à partir de samedi. Donc, chaque samedi, il sera là. Et il sera à votre disposition. Alors, vous qui avez besoin d'une... Vous avez vu qu'il y avait besoin d'une orientation. Vous avez besoin d'être encadré par un serviteur de Dieu. Vous avez besoin également qu'il prie pour vous. Et on va vous montrer quoi faire. Comment est-ce que vous pouvez l'atteindre afin d'échanger avec lui. On va sous ces images, encore en pleine prédication. Et nous allons nous retrouver tout juste après. Place que Dieu nous bénisse. Je m'offre ta présence en ce lieu. Que le Dieu de mon Père Félix vous bénisse. Alléluia. Ouvrons nos Bibles. Je suis dans le livre de Marc, chapitre 5. Marc, chapitre 5. À partir du verset 35. Verset 35. Et on va les sentir, on peut s'élever pour honorer la parole. J'ai dit au nom de Jésus. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importunes davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il n'est permis à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule brillante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Alléluia. L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il s'est moqué de lui, alors ayant fait sortir... Ok, merci beaucoup, nous avons suivi. Merci. Alors là, c'était la deuxième prédication, question simplement de faire découvrir aux gens, c'est comment est-ce que tu travailles avec le Seigneur et tout et tout. Et sinon, aujourd'hui, on va finir la première partie, d'accord? Sinon, comment tu combines l'école et puis les ministères? Je m'attendais à cette question. Je savais parce que c'est la plupart des questions que la plupart de personnes me posent. Comment tu gères l'école avec le ministère, tout ça? En fait, j'aime une phrase, j'ai lu ça quelque part. On peut gérer la nourriture, on peut garder la nourriture, on peut faire la provision de la nourriture, on peut faire la provision de sacs, tout ça, de choses à manger. Mais la seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est la provision du temps. Avant le temps, ce n'est pas le temps. Après le temps, ce n'est plus le temps. En fait, j'essaye un peu de... Je prie à Dieu, Seigneur, donne-moi cette force. Sans quand c'est le temps des études, je pars aux études. On s'est dit ministère, quand le ministère m'appelle, je pars au ministère. Et j'ai prié à Dieu que le Seigneur rende toujours mon cerveau très léger pour que je ne sois pas trop chargé. Okay.
À l'école, il t'est déjà arrivé que quelqu'un, c'est peut-être à l'école en train de jouer, ou soit le prof n'est pas là, on attend, et qu'il y a un collègue qui tombe malade? Oui, ouais, ça m'est déjà arrivé. Et c'était quoi ta réaction? T'as prié ou en fait, tu étais en la, fait, tu étais la calme pour, lorsque j'étais en classe, là, le professeur n'est pas encore entré. On n'a pas encore sifflé aussi la première heure. Lorsque j'avais mon ami là, il est tombé là, il commençait à s'en salir. J'ai regardé, je me suis dit, si bon, ton sang. Et puis il y a quelque chose qui m'a dit, va prier. Parce qu'à un moment donné, l'imam Manassé, pas le berger Manassé, Manassé maintenant commence à dire, ah, soit on a prié pour ne pas l'homme quitter, soit un coup fusil. Vous savez, c'est pour cela que j'ai toujours l'habitude de dire que, vous savez, la foi n'exclut pas le mais la capacité. La foi, c'est avoir la capacité de surmonter les doutes. On est humain, on peut douter. Attends, je suis père de la foi. Je lis quelque part, Abraham aussi avait un peu douté. Hein. Il avait quand même un peu douté, un peu douté. Mais il est le père de la foi. La foi n'enlève pas le doute, mais la foi, c'est la capacité de surmonter le doute. Et je me suis dit, bon, je vais utiliser ma foi. Je priais, je priais, je priais, je priais, je priais. Et à la fin de la prière, il s'est réveillé. Je te dis, j'avais du succès dans mon école comme on n'a jamais dit. Tout le monde applaudissait tellement fort. Et quand le professeur vient, il dit, qu'est-ce qui s'est passé à quoi, qui a prié pour lui? Et c'est Manassé, Manassé, Manassé. Lorsque je sors de la récré, Manassé, imagine-toi que même de grandes personnes de sixième humanité essayaient de prendre la photo avec moi. Wow! C'était du succès, la star. Hein. Mais je leur ai dit une phrase. Tout ce qui s'est passé, c'est par la grâce de Dieu. Hosanna. Amen. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Infiniment merci, mesdames et messieurs. Nous allons mettre un point final à notre entretien avec le berger Manassé. Vous allez le retrouver encore le samedi prochain. Donc le samedi, il sera là. Le samedi, on va encore tourner la deuxième partie. Alors, pour aujourd'hui, On va se dire au revoir. Oui. Alors, un tout dernier mot, vous dites quoi? Un message à ceux qui sont en train de nous suivre ou... J'ai un message que je peux te passer, toi qui es en train de me suivre. C'est que je peux te dire, toi qui as perdu espoir, toi qui l'espoir est déjà tombé, tu n'as plus d'espoir, laisse-moi te dire, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Vous savez, ce que j'aime avec l'amour de Dieu, c'est que toi, quand tu touches Dieu, toi, tu peux lâcher. Mais lui, il ne lâche pas. Il ne te lâchera pas, il ne t'abandonnera pas. Vous savez, ce que j'aime, l'avait déclare, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'aimerais dire à une personne qui était fatiguée, qui avait abandonné, qui n'avait plus d'espoir, garde encore espoir. Il est le maître de temps et des circonstances. J'ai toujours l'habitude de dire, le temps ne change pas Dieu. Les circonstances ne changent pas Dieu. Mais c'est plutôt Dieu qui change les circonstances. Amen. Il est le maître de temps et des circonstances. Garde espoir, le Seigneur Jésus-Christ est tout près de toi. Que Dieu te bénisse. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Comme je viens de vous dire tout à l'heure, retrouvez le berger Manassé chaque samedi sur Nouvelle Tendance Télévision. Alors, pour aujourd'hui, on va se dire au revoir. Sinon, il y a des gens à remercier. Je ne sais pas s'il y a des gens à remercier ou pas. Sinon, quand même, on va encore lui donner la parole. Ouais. Tu as des gens, quand même? Ok. Tu remercies qui? En fait, je remercie premièrement mon Dieu pour sa grâce, sa force. Et c'est lui qui a permis que nous puissions être là. Je remercie mes parents, mon père, papi Ngoï, ma mère Myriam et Sengou. Et je remercie tous les membres de ma famille, je remercie mes mentors, le prophète Blanchard Essengo, mon mentor Landry Makengo, le ministère Chercher l'Éternel. Je les remercie tous et que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. On se retrouve déjà avec le berger Manassé et le samedi prochain. Ok, merci beaucoup. Alors, merci à Gédéon Loïc qui était à la prise de vue, accompagné de Sarive Mbala. Merci à The Best KTD, le meilleur. Merci également à Papi Ngoï qui nous a assisté, et ainsi qu'à toute la famille de Berger Manassé. Nous allons nous retrouver très très prochainement. Abonnez-vous, faites le maximum de partage. Au revoir, bye bye, ciao.